PMU, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente Jour de Conf. Ça fait du bien de rejouer quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué surtout. C'est bien aussi pour prendre des repères avec les coéquipiers. Ça nous fait aussi une petite, un petit challenge aussi pour nous parce que voilà, nous on travaille beaucoup la semaine, mais il y a une hiérarchie et c'est Jean-Louis qui joue. Et voilà, et nous la coupe ça nous permet aussi de nous montrer un peu et d'avoir du temps de jeu, voilà, de prendre du plaisir aussi. Déjà c'est un derby, donc tous les derbys sont difficiles à jouer. Je pense que c'est une équipe aussi qui vient de National, donc National c'est beaucoup de duels, c'est des matchs quand même costauds, donc je pense qu'il va falloir s'attendre à un gros match, même si on est favori. Je pense qu'il va falloir vraiment sortir un beau match devant cette équipe qui va tout donner, et en Coupe de France souvent c'est pas facile. C'est un derby, donc pour nous, ce n'est pas un bon tirage, même si on est favori, parce qu'on est quand même Ligue 2, on reçoit. Mais on s'attendait à jouer plus une R1, une Nationale 3, qu'une Nationale, et puis Boulogne qui est un derby, quoi. Donc, en fait, ce statut de favori n'est pas très bon à porter quand c'est la Coupe de France dans une compétition très capricieuse. Donc c'est une équipe qui est vive, qui est alerte, qui aime bien se projeter vers l'avant. Quelqu'un qui va nous embêter forcément samedi. Donc on a cette magie de la coupe qui fait qu'on est extrêmement vigilant et qu'on fait pas trop attention, on fait pas trop attention au classement et puis au championnat, mais plus au potentiel de l'équipe qui peut se révéler un tour de coupe, et spécialement à Bollard et dans un derby.